Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouveau weekly vlog, aujourd'hui on est vendredi, il est 12h43, je commence à 13h30 et ce matin je vous ai tourné une vidéo et tout, voilà on commence la semaine, bon à vendredi, c'est pas grave, la semaine dernière aussi j'ai fait ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer des petites collaborations que j'ai reçues en début de vlog. Et puis après, j'aurai plein de petites choses à vous dire. Voilà, je sais pas si je vais avoir le temps avant d'aller au travail, mais c'est pas grave. Déjà, voilà, je commence toujours mes vlogs par mes collaborations. Parce que bah, je veux les mettre en avant. Forcément, je vais pas vous en parler après une heure de vlog, vous savez. Hein. J'ai reçu des nouveaux bijoux du site Wow We Are. Ça fait très longtemps que je vous parle de cette marque de bijoux. C'est une marque qui est française. Je vous en parle depuis déjà des années. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas collaboré ensemble. Et là, du coup, j'ai reçu des petites nouveautés. Je reprends mon téléphone, bon alors ce sont pas du tout, je vais vous mettre un code promo et tout, rien n'est rémunéré, le code n'est pas affilié bien sûr. Pour info, Wow We Are ce sont des bijoutiers voilà qui sont en France même si c'est Wow We Are. Ce sont des bijoux en plaqué or 18 carats et en argent massif. Au niveau de la qualité, moi j'ai des bijoux que j'ai depuis... la première fois que j'ai collaboré avec Wow We Are, je pense que c'était il y a au moins 5 ans, même plus je crois. Et en tout cas, je n'ai, mes bijoux n'ont toujours pas bougé. D'ailleurs, ce sont des bagues que vous voyez très souvent porter et des boucles d'oreilles d'ailleurs. Et les bijoux sont réalisés avec les partenaires français et espagnols et certifiés RJC, c'est certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique. Ils livrent partout dans le monde, et à chaque vente ils reversent effectivement 50 centimes à une association. Je suis désolée, je lis en même temps parce que je voudrais rien louper. Et quand vous passez commande, en fait c'est à vous de choisir l'association. Vous avez la Ligue contre le cancer, la SPA et e-enfance qui est la protection de l'enfance sur internet. Et bien sûr, et ça c'est important, la marque est notée 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Voilà. Donc bah, c'est cool, j'ai pu prendre encore une fois des pépites que je vais vous montrer parce que je les porte sur moi. C'est vraiment trop bien. Leurs bijoux, mais ils ont plein de choix. Vous avez des bagues, des boucles d'oreilles, des piercings. Vous avez également des colliers, enfin il y a plein de trucs, des bracelets. Enfin, tous les bijoux et vraiment, encore une fois, moi ça fait longtemps que je porte leurs bijoux et ça ne bouge pas. J'ai reçu les petits bijoux dans des emballages comme ça avec également à l'intérieur des petites pochettes. Donc là dans les pochettes actuellement il n'y a rien du tout parce que je porte tout sur moi. Je vais vous montrer les petites pochettes comme ça, elles sont trop trop belles. Là c'est embossé Wow We Are. Et la petite boîte comme ça, si vous souhaitez faire un cadeau, ça vaut trop le coup. Et vous avez également des petites boîtes comme ça. On va commencer par cette bague. J'ai ma petite facture, ça arrivait hyper vite, ça arrivait en colissimo comme d'habitude. J'ai la petite facture, même si j'ai tout reçu gratuitement bien sûr. Donc du coup la bague, voilà, c'est l'admirable. Donc en fait c'est une bague un peu ils appellent ça un semi-nier il me semble. C'est une bague comme ça où vous avez, en fait, tout est attaché et où vous avez plusieurs bagues, en fait, en une. Alors, c'est vrai que moi, chez Wow We Are, les bagues, je prends toujours plus grand que d'habitude. J'ai des tout petits doigts. C'est la seule chose qui n'est pas gros chez moi. Il faut savoir qu'ici, je fais un 48 et quand j'ai les doigts gonflés, un 50. Et pour celle-ci, j'ai pris un 58. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, plaqué, c'est du plaqué. C'est hyper beau, ça ne bouge pas. Voilà, donc j'ai pris cette merveilleuse petite bague qui est trop chou. Voilà, je trouvais que ça faisait trop beau comme ça. Parce que là, ici, ça va être... Ouais, ça va pas tenir. Mais j'adore. Après, vous pouvez la mettre... Parce que moi, j'ai mis le truc là pour les tenir qui est là. Je l'avais mis devant, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre devant. Vous pouvez également le mettre derrière. Enfin bref, c'est vous qui choisissez.
toute façon, la bague, elle vit, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'ai pris une bague et j'avais envie de prendre aussi des boucles d'oreilles. La plupart des boucles d'oreilles que j'ai de chez eux, je les enlève jamais. Mais là, j'ai pris boucles d'oreilles, boucles d'oreilles et piercing. Alors déjà, on va commencer par ce petit piercing. Je vous remettrai une photo du site à côté de moi. C'est un petit piercing comme ça. Je voulais effectivement pouvoir en mettre un ici. Et voilà, qu'il ne bouge pas avec des espèces de strass dessus. Vous pouvez, pour info, les boucles d'oreilles, les choisir en paire ou à l'unité. Ça, c'est cool aussi. Alors, le petit piercing, c'est le éclatant. Et moi, j'ai pris le 7 mm parce qu'il existait aussi en 9 mm. Donc, j'ai pris le 7 mm. Et ensuite, je voulais une petite paire comme ça de toutes petites créoles pour mettre à mon troisième trou. Du coup, je l'ai mis là aussi. Hein. Donc, j'ai pris la paire. Trop beau. C'est les simples. 12 mm en paire. Voilà. Trop mignon. Et j'ai pris également cette petite paire. Regardez les petites étoiles comme ça. C'est trop beau. Et ça, c'est l'éclatante, il me semble. Les bienveillantes, pardon. L'éclatant, c'est celui-ci. Les bienveillants. Et j'ai pris également en paire. Donc, c'est pas hyper cher. C'est de la super qualité, franchement. Et regardez avec ma... Ça ne bouge pas. Voilà, donc je suis bien, bien contente qu'il m'ait contactée pour de nouveau collaborer et montrer ses petites merveilles en vidéo. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui n'arrête pas de faire du bruit. Mais maintenant, vous êtes rodés. Et franchement, ça fait vraiment trop bien. Du coup, j'ai mis ça hier, le petit piercing avec les petits anneaux. Et je me suis lavée avec et tout. Je me suis même lavé les cheveux ce matin. J'ai fait mon shampoing. Et ça n'a pas bougé. Donc, merci beaucoup à Who We Are, franchement. Je suis trop contente de faire une nouvelle collab. Donc j'avais gardé le petit bordereau pour pouvoir avoir le nom des bijoux. Et de toute façon, à l'écran, je vous remettrai la photo du site pour que vous puissiez mieux voir. Mais n'hésitez pas à regarder. Là, moi, j'ai pris que des trucs dorés. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et franchement, c'est pas cher. Ça arrive hyper vite. Donc voilà, moi, je dis oui. Et on va enchaîner avec un autre... partenariat, je suis désolée mais comme je vous ai dit je préfère mettre ça en début de vidéo, un partenariat que vous voyez très très souvent sur mon site, oui j'ai un site maintenant, sur ma chaîne, mais c'est tout simplement les parfums Nox. Je suis désolée, je suis en pleine digestion, j'ai mon ventre qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Ce sont les parfums Nox, je vous parle souvent de ces parfums, c'est une marque espagnole de parfums d'équivalence où vous trouvez vraiment des parfums mais pas chers, de l'autre parfum. Il n'y a pas que du parfum parce qu'il y a également des bijoux et tout en acier inoxydable et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai jamais commandé de bijoux sur... Enfin bref, par contre les parfums, oui, moi je ne porte plus que ça. Je vais plus en parfumerie m'amuser à acheter des parfums à 150 balles. Là du coup je me fais plaisir, en plus il y a plein de nouveautés. Et voilà, ça fait le coup. Toujours la donne, franchement à chaque fois au travail que je mets du parfum on me dit mais ça sent trop bon, qu'est-ce que vous portez. Donc il y a toujours mon code, c'est bien sûr, alors cette fois-ci à chaque fois que vous passez une commande avec mon code j'ai une commission, donc merci beaucoup à tous ceux qui commandent avec mon petit code. Et ça y est, ça commence le Black Friday, donc à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, attention je vais vous montrer après ma sélection. Il y a mon code qui passe à moins 25%. Donc, surtout. Et pour chaque commande, sans minimum, il y a un bracelet cadeau qui est offert. Il se met hop directement dans la commande. Et si vous faites une commande de plus de 100 euros, il y a un cadeau spécial qui se glisse en plus dans la commande. Et c'est soit un foulard ou un sac à main pour hommes et pour femmes, etc., etc. Parce que, je vous le rappelle... Nox, ce sont des parfums d'équivalence, mais ce sont des parfums pour tout le monde. Il y a des parfums masculins, des parfums féminins et des parfums mixtes. Moi, je prends généralement les parfums mixtes. D'ailleurs, là, j'ai pris que des parfums mixtes. Je vais aller sur le site pour pouvoir vous donner, parce que d'habitude, j'écris, mais là, j'ai pas du tout eu le temps de l'écrire. Alors, je vais vous montrer ma petite sélection là qu'ils m'ont renvoyée. Bah, pour me faire plaisir, celui que je porte notamment aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça, hein. Ça c'est des 50 ml il me semble.
Je sais jamais. C'est écrit dessus de toute façon. Ah, ils ont changé les étiquettes. J'avais pas vu. Bref, ça c'est 50 ml. Le bouchon noir, c'est tout simplement le bouchon qui est mixte. Et cette fois-ci, ils ont changé les étiquettes. Vous voyez, ils ont collé des étiquettes comme ça. Donc, j'ai pris le 912. Ça fait un milliard de fois que je vous le présente. Et le 912, c'est tout simplement le Lost Cherry de Tom Ford que j'adore. Vous pouvez également faire les recherches. Vous pouvez faire des recherches par équivalence dans la barre d'infos. Si vous souhaitez rechercher, je sais pas, Angel, et ben vous tapez Angel et ça vous dit lequel correspond à ça. Mais vous pouvez également rechercher par note olfactive. Moi, c'est vrai que je vais dans les parfums mixtes et que je vais dans les trucs un peu boisés, curés, vous voyez. Donc, le 912, donc le Lost Cherry de Tom Ford, c'est tout simplement un parfum mixte qui sent bah, la cerise. Il est très sucré, mais en même temps, il est hyper envoûtant. Voilà. Je trouve qu'il sent trop bon. Il tient trop bon. Les parfums de chez Tom Ford, généralement, je les adore. C'est même pas généralement. Je les adore, franchement. Et celui-ci, à chaque fois que je le mets, j'ai que des compliments. Je l'avais même offert à Nico et, avant qu'il découvre Nox. Et voilà, quoi. Grosse pépitos. Et ensuite, j'en ai pris deux autres. Je vais directement sur le site pour pouvoir vous en parler. Ils ont sorti, déjà la dernière fois, je vous avais dit, les parfums de chez Kayali. Kayali, c'est la sœur ou la cousine de Huda Beauty. La dernière fois j'avais pris le Vanilla, ils en ont sorti d'autres, j'ai craqué. Donc là j'ai pris le 7048 qui est le banana, le sweet banana, ouais, mow in bottle sweet banana, il sent trop bon. Ah ouais, je l'ai pchité ici, c'est frais, c'est aussi un parfum mix, c'est frais mais fruité, il y a un petit truc sucré dedans, j'ai adoré. Et voilà, donc encore une fois, de toute façon, vous retrouvez toutes les notes olfactives sur le site et je vous invite vraiment à y aller. Mais je me suis découvert une passion pour les parfums de chez Kayali. Franchement, vous allez voir, j'en ai pris encore un autre. J'ai pris le 7043. Hop, j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de noter ce que c'était. Parce que moi, je me mets des petites étiquettes pour me rappeler. Après, sur le parfum, voilà. Donc le 7043, donc chez Kayali, et c'est le Cherry, Love Fest Burning Cherry 48. Voilà. Ah, ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Parce que, ouais, non, mais je vois avec les prix déjà, sans la réduction, ça vaut le coup. Oh là 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 là, je l'adore. Je crois que c'est le préféré de... Un de mes préférés de chez Kayali. Parce que le Vanilla, je l'aime bien aussi, hein. Enfin bref, je vous montre hein, le 7043. Donc celui-ci, effectivement, il y a de la cerise. Note olfactive, vous retrouvez tout le temps hein, tout. De la cerise, de la framboise et de la bergamote. Il y a aussi de la rose, de la praline, du jasmin, palo santo, fève de tonka. Ah non, mais celui-ci, il est dingue. Donc voilà pour ma sélection chez Nox. Je suis trop trop contente. Voilà, en plus là avec le code de moins 25%, ça vaut trop le coup. Donc vous avez tout le mois de novembre pour commander. En plus c'est sur 30 jours, donc d'habitude c'est beaucoup moins, ça dure que quelques jours. Et là vous êtes vraiment, ouais, du 1er au 30 novembre. Et en plus vous avez un cadeau qui va avec, donc franchement, pépito au fond. Donc voilà, j'ai encore le temps parce que là il va être 13h. Ah mais, attendez, mais je... Regardez Nox, du coup ce qu'ils ont mis dans mon colis également, ils m'ont mis un petit bracelet, donc comme je vous ai dit c'est en acier inoxydable, ils m'ont mis un petit bracelet, voilà, donc c'est aléatoire hein, les bijoux que vous allez recevoir, qui vont être offerts dans votre colis, et à chaque fois ils m'en envoient et tout, et c'est pareil, je les ai aussi depuis longtemps, et voilà. Je m'attarde pas trop sur les bijoux, parce que je viens quand même de vous présenter les bijoux Go We Are, et vous aurez compris que je préfère mettre l'accent dessus. Voilà, voilà, et qu'est-ce que je voulais dire, du coup, hier, je vous ai pas, j'ai pas commencé le vlog hier, parce que là, la semaine dernière, pour vous, je l'ai terminé mercredi. La semaine dernière, ça a été une semaine, enfin, on y est toujours, parce que je suis vendredi, mais là, ça va mieux, ça y est, c'est redescendu. Vu que j'avais speedé pour tourner le clip pour la sortie des bougies avec les garçons et tout. Enfin bref, hier matin, c'était la grande révélation. Ça y est, la collection de bougies d'Oli et Jack est sortie. Donc ma collection que je fais en partenariat avec eux. Donc Ange et Démon. Je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. Il y a toujours mon code promo qui fonctionne aussi dessus. Vous avez été au taquet. J'ai reçu
tellement de messages. La pression est redescendue hier. Hein. Franchement, j'ai fait. Je suis redescendue d'un étage. J'ai reçu tellement de messages de félicitations et tout, d'encouragement. Je vous remercie aussi de m'avoir soutenue. Il y a beaucoup de, voilà, de mes amis et tout, ma famille qui ont commandé. Merci franchement de votre soutien. Et voilà, il reste encore des bougies. Et il va y avoir plusieurs réassorts, hein, vous allez voir, parce que voilà, les gars voulaient pouvoir gérer en même temps que leur collection et tout. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu avoir vos bougies pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il y a encore hein, du stock. Mais ça descend très très vite. En tout cas, les gars sont au taquet. Ils ont fait partir les colis le jour même. Enfin, c'est dingue, depuis hier, ils n'arrêtent pas. Une vente, bim, le truc et tout, ça part dans l'après-midi. Enfin, c'est juste ouf, ils n'arrêtent pas depuis hier. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, franchement. Voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. En tout cas, ça a été une très, très belle aventure. Je vous en reparlerai parce que là, je vais assez vite parce qu'il faut que j'aille bosser. Mais franchement, donc hier, voilà, je voulais pas prendre la caméra. Hier matin, je me suis réveillée à 6h et quelques, j'étais au taquet pour regarder les commandes, mettre les trucs en ligne et tout. Voilà, enfin. Ça n'a pas arrêté. J'ai reçu plein, plein, plein de messages. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc, merci beaucoup. Franchement, c'était. Alors, du coup, j'ai décompressé hier. J'ai mis mon meilleur jogging et je suis partie chez ma mère parce qu'il y avait tous mes lutins hier. Enfin, il en manquait une, la toute plus petite. Et parce qu'on a fêté Halloween hier chez ma mère. Voilà. Donc, j'en ai profité. En même temps, Sushi, il a été se battre hier. Et bah du coup, il s'est fait mordre. Il a fallu que je l'amène chez le vétérinaire en plein après-midi. Voilà, c'est sushi. Enfin bref, hier, je n'ai pas arrêté. Je voulais me reposer parce que je suis rincée. Et bah, je me suis reposée ce matin. J'ai dormi. Enfin, oui et non, parce que j'ai quand même dû tourner la vidéo de Marina, LCO Beauty, pour son calendrier de l'Avent. Ah, vous allez voir. Et hier matin, avant d'aller chez ma mère, je suis passée vite fait chez BM. Je vous montrerai ça ce soir. Ouais, voilà. Parce que j'étais chez BM, chez Action. Et j'ai acheté 2-3 trucs classés devant moi. Mais j'ai des trucs dans la salle et tout. Je suis allée chez Jiffy aussi. Donc voilà, là je vais me laver les dents. Je vais me préparer tranquillement. Et puis je vais aller travailler. Et aujourd'hui, je fais ouais, 13h45, 20h15. Donc grosse journée. Donc 6h45. Enfin grosse journée pour certains qui font des horaires, voilà, vraiment des grosses journées non-stop. Ça vous paraît peu, mais pour moi c'est énorme. Sachant que voilà, enfin bref. Je m'égare. Je vais me préparer, je vais me brosser les dents et tout ça et tout ça. J'ai pas besoin de me remettre du parfum parce que j'ai remis mon petit parfum de chez Nox. J'ai mes petits bijoux et tout, donc je suis prête à aller bosser. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. À la fin de la journée. Nouvelle journée. Je me mets devant la fenêtre parce qu'il fait nuit. Là, il est 16h52. Mais non, c'est pas possible. Ah, mais j'ai pas changé l'heure dans la voiture. Je me disais tout à l'heure dans la voiture, il était 17h et quelques. C'est vrai, on a changé d'heure. On est dimanche. Je vous ai pas repris hier. On est dimanche. Purée, j'ai l'impression qu'il est. Je sais pas quelle heure là. Je viens de rentrer de chez la madre. Regardez, j'ai mis les draps que j'avais achetés la dernière fois chez Leclerc en version verte. Ça, c'est mon chat. Mais oui, c'est vrai. Alors hier, j'ai pas pu vous prendre. Alors je vous explique. Vendredi matin. Ouais, c'est ça. Je vous ai pris avant d'aller au travail. Après, j'ai tourné une vidéo LCO Beauty qui est sortie mardi pour moi. Mais samedi, j'ai terminé. Enfin. En fait, vendredi, j'ai terminé à 20h15. J'ai pas pu monter la vidéo LCO Beauty. Samedi matin, j'avoue, j'ai fait plein de trucs, donc j'ai pas pu la tourner. Samedi après-midi, j'ai terminé. En rentrant à 20h, j'ai monté la vidéo. Donc c'est pour ça qu'hier, je vous ai pas pris. J'ai monté la vidéo. J'ai terminé tard, mais parce qu'il fallait impérativement qu'elle sorte là cette semaine. Et ouais, du coup j'étais un petit peu dans le speed parce que je pensais vraiment la sortir la semaine prochaine, mais Marina m'a dit bah non, faut la sortir cette semaine. J'ai dit ah bon, bah ça fait pas. Donc du coup hier soir je me suis couchée super tard, j'étais déjà bien claquée. Donc ce matin, rebelote, il a fallu que je me lève parce on a fait une grande raclette chez ma mère avec mes lutins et tout ça et tout ça. Il y avait tout le monde, enfin presque. Et là bah, je viens de rentrer.
Bah oui, 6h53. Ouais, j'ai pas changé l'heure de la voiture. Mais il fait nuit, c'est marrant. Bah, enfin, c'est marrant, non, parce que quand je vais sortir du travail, il va faire nuit beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'étais en train de ranger mes affaires. Non, mais vous verrez rien, il fait nuit. J'ai lavé ma veste, le clear. Parce que je la lave tous les samedis. Donc voilà, j'ai remis les petites broches. Et puis, j'ai acheté 2-3 trucs la dernière fois chez BM. Je vous ai dit que je voulais montrer samedi dernier. Donc bah, je vais vous les montrer maintenant. Je vais vous poser. On va être encore posé ici. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous me voyez? Normalement, vous me voyez. J'ai pas besoin d'allumer les lumières, je pense pas. Donc voilà. Non, mais il va faire nuit super tôt maintenant. Ça va être la merde. J'ai acheté 2 trucs chez BM. Je vous ai pas montré la dernière fois. Et un truc chez Action. J'ai enfin trouvé la maison pain d'épices comme ça chez Action. J'ai craqué, j'ai été obligée de craquer. J'ai pris aussi l'autre modèle pour ma mère. Il y avait un modèle rond, en rond comme ça. Je viens de passer l'aspirateur dans la cuisine parce qu'elle m'avait mis plein de grains de litière par terre. Et là, elle est retournée dans la litière. Elle n'aime pas quand c'est propre. Donc j'ai pris ça et il y avait aussi des boîtes en métal pour mettre des gâteaux et tout. Il y avait 2 modèles, j'ai pris les 2 modèles, mais bon, c'est chez ma mère. Ça, de mémoire, je l'ai payé 8 euros, c'était 7,99 il me semble, chez Action. J'étais bien contente de les trouver. Et chez BM, j'y suis retournée bah, jeudi dernier du coup. Et je vous avais dit dans ma vidéo, dans mon vlog, que j'avais regretté. Enfin non, c'est dans mon TikTok. J'ai fait un TikTok avec toute la collection Noël de BM et je disais, oh, je regrettais trop de ne pas l'avoir pris à 14,99 pour pas dire 15. J'ai pris cette automate. Attendez, parce que le bouton il est enfoncé. Je vais appuyer de l'autre côté comme ça. Et c'est trop mignon, regardez avec le pain d'épices. Bon, là ça fait un peu morbide avec le. Donc voilà, je la trouvais trop belle, une petite maison en cupcake comme ça, c'est trop mims. Donc je voulais vous montrer ça pour pouvoir enfin le ranger. Et j'ai pris je sais même pas combien il coûtait, je crois que c'était 9,90. Je suis même pas sûre. J'ai pris ce petit coussin de l'autre côté, il est en velours rouge comme ça, rouge bordeaux. Et là devant, c'est des cannes à sucre, mais je sais pas si vous verrez, c'est un peu mout-mouteux. Voilà, on voit rien du tout parce qu'il fait nuit, Marie. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Et puis après, bah, vous savez quoi? Je vais allumer les lumières de la pièce YouTube. Ce sera peut-être mieux. Voilà, attention les yeux. Ouf! Et la lumière fut. Je m'y attendais pas. Donc voilà, pour le petit coussin. Et puis bah, vous la verrez peut-être mieux. Mais non, je suis même pas sûre en vrai. Donc voilà, mais j'ai pas changé l'heure dans la voiture, quelle nouille. Bah oui, bref, demain je travaille du matin, je crois que je fais 8h30, 14h45, je suis même pas sûre. C'est ça, 8h30, 14h45, donc je vais déjà préparer mes fringues et tout, j'aime bien les préparer la veille quand je commence le matin. Comme ça, hop, j'ai plus qu'à enfiler quand je sors de la douche. Et puis voilà, je vais déjà tout préparer. J'ai cleané la maison, donc c'est nickel. Je vais pouvoir ranger mes trucs de Noël. Il y a écrit quoi? Village de Noël éclairé et musical avec lampe LED multicolore. On est content. Bon, je vais aller ranger tout ça. Et puis bah voilà. Petite semaine qui va commencer tranquillou. Et j'étais en train de regarder sur le site là, Dolly et Jack. Oui, bah, je suis contente, je suis fière, je suis contente, je suis stressée, je suis plein de trucs. Merci beaucoup pour toutes les ventes, c'est dingue. Du coup, avec Léa, on a lancé un concours. Au moment où vous verrez le vlog, le concours sera déjà terminé. Et c'est un concours sur Instagram. Voilà pour ceux qui doivent nous suivre sur Instagram. Vous pouvez créer un compte Instagram, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos dessus, hein. Comme ça, vous pouvez participer au concours et tout, donc nickel. Voilà, là je viens de voir, j'ai encore plein de participations. Donc on peut vous faire gagner, c'est les gars qui ont eu l'idée hein, bien sûr, de faire gagner un coffret avec les 2 bougies. Voilà, bon je vous en parle mais c'est déjà passé. Mais c'est pas grave. Bon allez go, bah, je vais ranger ça et puis je vais m'affaler devant une série sur le canapé. Et c'est pas mal, voilà. Petit repos. Ah oui, je prépare mes affaires aussi. Nouvelle journée. On est lundi. Il est presque 16h. Je me demande s'il n'est pas déjà 16h. Nouvelle heure en plus. Hein. Ça faisait trop longtemps que vous ne l'aviez pas vu.
ma petite combi licorne. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas mise, dis donc. C'est vrai. Ah, longtemps, vous avez dû la voir passer dans un blog masse, hein. C'est sûr. J'ai terminé le travail à 14h45. Qu'est-ce que t'as, toi? Ensuite, je suis restée au travail pour faire des courses, du coup. J'avais 2-3 courses à faire et tout ça et tout ça. Et ensuite, je suis rentrée. Attendez, je m'assois. Ouais, j'ai fait 8h30, 14h45 aujourd'hui. Je suis rentrée et puis bah là je me suis mis une pizza à chauffer que j'ai pris en course parce que j'avais trop faim. Forcément j'ai pas mangé encore vu que j'ai fait 8h30, 14h45. Ça c'est le air fryer qui me dit que la pizza est prête. Oh, il y a un beau soleil, hein. J'ai lancé une machine aussi, ce qui explique pourquoi je suis habillée comme ça. Parce que du coup j'avais envie de laver mes vêtements. Et j'ai lavé l'autre pilou là qui était plein de fond de teint, de dentifrice le pauvre. Et donc voilà, cet après-midi je devais tourner et franchement j'ai pas la foi. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de me poser et de ne rien faire. Demain je travaille pas, mais demain, comme il fait beau toute la semaine, j'ai dit à Patate qu'on irait à Primark et tout ça. Donc je vais me lever tôt et tout, mais bon, c'est les vacances, hein, je vais pas le laisser comme ça s'ennuyer. Donc bon, il est content, on va aller chez Primark, on va aller au resto. Donc voilà, et puis je travaille pas jeudi non plus, donc voilà. Et je vous avouerai que j'ai hyper mal au bide, j'ai vraiment mal au bide, je pense que le fromage à raclette est pas passé ou je sais pas trop quoi, enfin bref, j'ai mal au bide. Donc j'ai envie de me poser, de regarder un téléfilm de Noël, mais bon, à cette heure-ci, je sais pas s'il y a encore des téléfilms de Noël, peut-être. Ah, sur Netflix, je crois qu'il y a des trucs et tout, je loupe tellement de trucs, tellement j'ai pas le temps. Donc bon, je vais faire ça, je me suis dit que j'allais quand même vous prendre aujourd'hui. Et puis voilà, regardez, elle me suit partout celle-là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Oh, t'es malheureuse. T'es malheureuse. Tu veux trouver une autre maman? Bon, je vais aller manger ma pizza, mais j'ai tellement attendu que j'ai même plus faim. Donc je vais grignoter puis voilà devant la télé. Et puis bah ce soir je vais pas manger parce que j'aurais grignoté, j'aurais mangé mon repas de midi à 16h. Enfin bref, c'est pas grave, c'est un rythme à prendre. Et puis de toute façon quand je faisais des vidéos, quand je travaille pas, que je suis à mon compte, enfin quand je suis toujours à mon compte, mais quand je tourne et tout, je mange toujours vers 15h, 16h. Mais bon là c'est une nouvelle heure. J'avoue que c'était dur. Toute la matinée en caisse, là, autant ce matin, c'était mieux de se lever plus tard. Mais là, ouais, d'attendre, pour moi, je disais, purée, j'ai faim. Bon, allez, go. Miam, miam, et repos. Nouvelle journée. Est-ce qu'on verrait pas mieux si j'allume? Je sais pas. On est mardi 29 octobre. Ah ouais. Il est déjà 17h20. Je suis rentrée il y a quoi? Il y a... Un peu moins d'une heure. Ouais, c'est ça. J'ai été aujourd'hui chez Primark avec la madre. On devait y aller avec la potétose. Mais ce matin, il a eu trop mal au bidou et tout. Donc, il n'est pas venu avec nous. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, on a avancé sur les... On est parti chez Nike Factory. Bon, il l'a vu, hein, mais ce sera pour Noël. On est parti chez Ikea, chez Primark, chez Sephora. Et voilà, c'est là où j'ai le plus acheté. Ben, c'est là où j'ai acheté tout court. Et je voulais vous montrer 2-3 petits trucs. J'ai tourné... Ouh, vous voyez un petit extrait là. J'ai tourné là en rentrant vite fait une vidéo Primark sur la déco de Noël. Oh, il y avait trop de trucs trop mignons. Je vous ai filmé dans le magasin, je vais vous remettre tout de suite le passage de la déco de Noël.
Donc voilà, j'ai filmé vite fait et tout dans le magasin. Pour une fois qu'il y avait des trucs de Noël, franchement, en déco. Parce que l'année dernière, c'était niette, il y avait quasiment rien. Et je me suis dit, si c'est comme Halloween, qu'on trouve rien du tout. Au final, j'ai trouvé trop de trucs. Les plaids, il y en avait 3 milliards. Il y avait 3 milliards de plaids, alors qu'à Halloween, on n'a même pas réussi à trouver le plaid citrouille. Enfin bref, là, il y avait plein de trucs et tout. Donc je vous ai fait un haul exprès Primark, mais j'ai acheté 2-3 trucs que je me suis dit je vais pas mettre ça dans le haul à 4,50€. Je me suis pris des chaussettes Beetlejuice. Non mais magnifique. Vous avez 3 paires comme ça. Donc la première c'est des têtes de mort. La deuxième paire c'est, vous savez, l'espèce de serpent chelou là. Et puis, hop, une paire comme ça, rayée avec des araignées et il y a écrit Beetlejuice. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'étais obligée de craquer. C'est des soquettes. Hein. j'ai repris des bijoux. Trop mimes. J'ai repris à 4,50€ des petites boucles d'oreilles comme ça. Vous voyez, en forme de coquillage. Elles sont vraiment trop mimes. Je me suis dit, oh, ça va être trop mignon. Oui, je suis une vraie pie, moi. J'aime quand ça brille. J'aime quand ça se voit. Donc, j'ai pris ça. J'en ai pris d'autres comme ça à 4,50€. Regardez, on dirait pas des... Je suis un petit thé. Soit les écarteurs, soit autre chose. Si vous savez, en commentaire, mettez le... Si vous savez de quoi je parle, Nico va le mettre direct. En me mettant comme ça, là, devant moi, je vais... Bref. Je vais mettre ça. Ah non, je trouve ça trop mime, ça, en vrai. Et j'ai repris... Mais c'est une collaboration. C'est qui, Paula Echevera? Echevara? Echevaria? Bref, j'ai pris à 5€ un collier comme ça. Il est trop beau. J'adore les colliers de chez Primark. Ils sont en acier inoxydable. Même les boucles d'oreilles. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Mais d'habitude, je mets toujours... bref, voilà. J'avais acheté ceux la dernière fois en collaboration avec Rita Ora. Et voilà. Ensuite, je suis allée chez Ikea. On a mangé là-bas avec ma mère. Ça faisait un petit bout de temps. J'avais pas pris ces gâteaux. Ils sont trop bons, ces gâteaux. C'est des espèces de... Je sais pas comment ils appellent ça. Des espèces de galettes de je sais pas quoi. Ah, attendez, il y a un truc en français peut-être derrière. Biscuits à base d'avoine et avec du chocolat. Non, mais c'est trop bon. J'avais fait découvrir ça une année à ma pote Marjo. Et elle avait kiffé. Et franchement... C'est trop bon. Du coup, en rentrant, je suis partie chercher ma patate du coup pour l'amener chez ma mère. Du coup, je l'ai fait goûter. Maintenant, il n'avait plus mal au ventre. Il a déglingué ce truc. Et chez Ikea... Oui, je sais. À la base, j'y allais pour ça. Il n'y en avait plus dans mon Ikea. Ça fait 3 fois que j'y vais, 3 fois qu'il n'y a pas. Et là, c'est bon. Cette fois-ci, ils les ont remis. Ces fameux draps, ils sont trop beaux. Regardez. Ah, oh, j'adore. C'est les prochains. Je viens de changer les draps juste samedi. Et je pense déjà au prochain que je vais mettre. Bah, je vais aller les laver. Donc j'ai pris en 240 par 220. Et c'est du coton. Donc ça c'est nickel. Et ils sont trop beaux. Franchement quand je les avais vus en magasin j'avais craqué. Et la nana elle me disait on les a plus et tout. J'étais dégoûtée. Bref, je vais peut-être allumer la lumière. Parce que là après je vais vous montrer des rouges à lèvres de chez Sephora. Hop, 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 hop. Vous savez, les lips machin, là, les nouveaux. Alors, attendez, je vais allumer. Hop. La dernière fois... je suis flouille, les gars. La dernière fois, je vous avais montré... En fait, ils ont reformulé les... ceux-là, là, les rouges veloutés sans transfert. Je vous regarde pas. Ils les ont reformulés et maintenant, ils s'appellent les rouges veloutés sans transfert. Mais cream lip stain. Et là, c'était quoi, ceux-là? Les cream lip stain. Vous foutez de la gueule de qui? Bref, avant, ils étaient comme ça. Maintenant, ils sont comme ça. Ça, c'est les nouveaux. Et la dernière fois, j'en avais pris 2 que j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai encore un sur moi. C'est le 72 que j'ai sur moi. Et je vais vous les transférer. Je vais vous les swatcher. Ils sont à 13€ et quelques. C'est celui-ci. Ils sèchent et ils tiennent. Mais trop bien. Et voilà. Alors, pour info, il y en a qui ont été reformulés au niveau des couleurs. Par exemple, celui-ci, le 72, on pourrait croire que c'est anciennement le... Vous voyez, il se ressemble fortement, le 21. Et vous allez voir, le 21, je vais le mettre à côté. Finalement, non, c'est pas pareil. Vous voyez, le 21, c'est plus foncé. Et bref, je vais vous faire des swatchs. Donc, j'avais pris donc le 72
Et le 120 qui est juste trop beau, que j'aime aussi énormément, que je mets beaucoup. Je vais le mettre tout en haut, le 120. Hop, c'est celui-ci. Et il commence déjà à se matifier. Ils tiennent mais trop bien. Déjà que j'ai adoré les Sephora. Enfin, les premières, la première génération. Et là, j'en ai pris un autre. J'ai pris le 23. Ils sont trop beaux. Et ils mettent moins de temps. Enfin, vous voyez, l'ancien, il n'est pas encore sec. Alors que celui-là, il commence déjà à se matifier. Et ils tiennent trop bien. Donc là, c'est le 21. Regardez comment il est trop beau. Oh, j'adore. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même les anciennes couleurs. Parce que j'en ai quand même un paquet. Voilà. Donc, il y a le 21 que je vous ai swatché qui est toujours pas sec. Non, mais regardez. C'est celui-là, hein, qui est toujours pas sec. Et j'en avais d'autres. Trop beau. Notamment, alors, ceux-là, je me tâtais parce que il y avait le 06 que je mets souvent, qui est trop beau aussi. Et je sais que le 06, il s'appelle toujours 06. Celui-ci, je le mets souvent. C'est celui que je porte pour la vidéo où je sors les bougies avec Dolly et Jack. Et celui que j'aime énormément, c'est le 13, Marvelous Mauve, celui-ci. Je sais qu'ils l'ont reformulé aussi. Et la nana me disait, apparemment, il n'a pas tout à fait la même couleur. Donc voilà, ça c'est les anciens. Je vous montre comme ça. Ah, le Marvelous Mauve, non, c'est peut-être celui-ci, le 35. Il est trop beau le 35. Donc je me suis dit que j'allais regarder parce que je les ai swatchés en magasin. C'est un beau mauve comme ça. Je les ai swatchés en magasin et je trouvais que ils avaient quand même pas mal de similitudes. Et maintenant que je regarde comme ça, je me dis, oh, je sais pas. Ou alors peut-être que je vais prendre ma main en photo. J'avais aussi, alors celui-ci il est magnifique, c'est le, attendez, le 15. Regardez, ils en avaient sorti pas irisé, mais comme ça. Comment ça s'appelle? Chrome. Non, pas des chromes. Putain, des métalliques. Voilà. Celui-ci en métallique, il est trop beau. Vous voyez, celui-ci commence à sécher. Il devient un peu plus foncé, un peu plus beige. Ouais, je sais pas. Bref. Et j'en ai plein encore. J'ai le 19. C'est un beau... trop beau. Hop, je vais le mettre là, le 19. Et en fait, c'est à peu près les mêmes couleurs, sauf qu'ils ont changé les numéros, hein, ces petits malins. À part le 6, je sais que c'est le même numéro. Là, j'ai le 41. Ils sont tous trop beaux. Du coup, ça m'a donné envie de les reporter. Le 41, c'est un beau marron comme ça. Et alors, la base de la base, celui-ci, je le porte très souvent, c'est le 1. Ouais, c'est le 1, c'est le rouge. Celui-ci, je le porte très souvent. Il tient, mais trop bien. Et je vous dis, après, il sèche, il devient mat. Et il tient super bien. Donc, voilà pour mes petits achats. Bah, du coup, j'en ai acheté qu'un. Celui-là. Voilà, celui-là. Et j'adore. Oh, mon bébé, tu viens de te réveiller. Donc, voilà, je vais les prendre en photo. Je prends en photo ma main. Et je vais me les noter dessus sur la photo à quoi ça correspond. Comme ça, quand j'irai chez Sephora, je pourrai regarder. Et voilà, comme ça, je verrai. Et puis, en fonction, je regarderai s'ils n'existent pas déjà. Donc, voilà pour mes petits achats. Et puis, voilà, j'ai plein de trucs. Regardez là, derrière, je ne sais pas si vous verrez. Il y a un purée de grand sac Ikea. Un purée de grand sac avec dedans, j'ai reçu... J'avais reçu 3 colis chez ma mère, Timu, Shein et Aolia. Voilà, donc j'ai plein de trucs à vous montrer. Aolia, les lunettes, je vous les montrerai la semaine prochaine parce que là, je vous ai déjà montré des collabs et tout en début de vlog. Donc on verra ça pour le vlog de la semaine prochaine. Et sinon, demain, je travaille, je fais 13h, 19h, petite journée demain. Et jeudi, je travaille pas, mais je bouge pas. Je vais filmer mes vidéos là pour pas que ça traîne. Parce que là, il y a plein d'offres qui vont arriver pour le Black Friday, le 11-11, enfin tous ces trucs là. Donc voilà, je vais aller mettre les draps à laver. Je vais aller ranger tout ça, les bijoux et tout. Et je vais me noter là à quoi ça correspond. Nouvelle journée. On n'est pas le 31, on est le 30. Parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Et comme je travaille pas demain, je me suis dit que j'allais y aller aujourd'hui au magasin avec ma tenue d'Halloween.
Et ces petites citrouilles de Harmonie d'ailleurs qu'elle m'avait envoyées la dernière fois. Voilà. Et puis du coup j'allais vous ranger par la même occasion. Voilà, je me suis dit tiens, ah bah, si en plus je commence à m'accrocher. Ah, ma nourriture est prête. Si en plus je commence à m'accrocher, ça va pas le faire. Là il est un peu, il est presque midi, ça doit être moins le quart ou un truc comme ça. Et je me suis fait réchauffer un plat que j'avais fait hier soir, parce que je commence à 13h, voilà. Donc moi vous savez, faut pas que je mange en speed et tout, faut toujours que je me cale un petit temps. Donc c'est pour ça, j'ai déjà préparé toutes mes affaires, j'ai plus qu'à y aller. J'ai mis de la javel dans la baignoire, voilà. Comme ça ce soir je rentre, j'ai plus qu'à frotter et rincer, et la baignoire est toute propre, comme ça ça agit bien. Donc voilà, je voulais vous reprendre avant d'aller au travail. Aujourd'hui petite journée parce que je travaille que 5h, je fais donc 13-19, et en rentrant j'ai deux montages à faire. Le montage de la vidéo Primark que j'ai filmé hier, Primark de Noël. Et puis, commencer à monter le vlog. Voilà. Donc, bah écoutez, on se retrouve ce soir. Et moi, là, je vais manger. Je viens de me poser, là, pour manger. Je vous reprends avec mon téléphone. J'étais en train de regarder mon planning. Déjà, je fais 19h15 et pas 19h. Et pour moi, de 13 à 19h15, ça fait 6h15, ça fait pas 5h. Pourtant, je vous jure, je sais compter. Dans ma tête, j'étais partie pour 5h. C'est pas bien grave, ça va le faire. On est content quand même. C'est quand même une journée tranquille, sachant que demain je travaille pas. Et demain, petite surprise, vous allez voir. Et après, ouais, c'est vendredi ma plus grosse journée, puisque je fais 7h15 vendredi. Oh, ça va le faire. Bon, allez, go, je vais manger. Nouvelle. Non, bah non, c'est toujours pareil. C'est toujours la même journée, on est toujours mercredi, sauf que cette fois-ci, il est... Il est 20h10, il fait nuit. J'ai terminé à 19h15, vous ne me voyez toujours pas, hop. Hop, je vais vous poser 2 secondes, histoire d'enlever... Oula, vous êtes flou. Non, c'est moi qui est flou. Histoire d'enlever mes bijoux. Ouais. Non mais c'est parce qu'en fait il y a peut-être ça, c'est ça qui rend flou, non? Rend flou. Bah vous êtes penché maintenant. C'est pas grave. Bah écoutez, la journée est passée vite vite comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça y est, je commence à avoir plein de retours sur les bougies d'Oli et Jack. Du coup, la collection Ange et Démon. La collaboration qu'on a fait ensemble. Elle est où là? Ah là. Je me disais parce que j'ai mis les petites citrouilles que Nawel m'avait fait Harmonie d'ailleurs. Je vous ai montré tout à l'heure comment j'étais habillée et tout. Ouais, je sais plus. Enfin bref. Et donc bah là je les range, hein, je vais les remettre sur sa petite carte. Et ouais, je commence à avoir des retours et tout, donc ça me fait trop plaisir. Je vois que que ça vous a plu. Moi, j'avais peur, bah déjà que ça se vende pas. Donc les gars m'ont dit si, t'inquiète pas, voilà, très bon lancement et tout. Et après, une fois que bon, ça se vend, c'est ok. Mais si après les gens ils aiment pas, et j'ai eu que des retours et tout positifs, donc je suis trop contente. Donc voilà. Pourquoi je vous reprends que maintenant alors que j'ai terminé à 19h15? Parce que là, en rentrant, j'ai tourné une vidéo Shein pour, vous savez, les Black Friday, tout ça. Là, ils sortent plein de promos, donc j'avais reçu quelques petits articles. Donc, j'ai tourné ce soir au lieu de tourner demain, parce que normalement, je devais vous tourner ça demain. Mais je me suis dit, demain, non, je me lève pas. Si, si, je me lève, mais j'ai pas envie demain de me maquiller et tout, donc non, je vais pas tourner. Et demain, pas ce soir du coup, attendez je vous repose, décidément vous êtes posé partout. Vous ne voyez pas mais je suis là, vous êtes derrière le truc lampion là. Non mais, youtubeuse en carton je vous jure, attendez j'enlève juste mes boucles d'oreilles. Voilà, on est bien. Donc ouais, je vous avais dit que ce soir je ferais le montage et tout ça, finalement non j'ai préféré faire, tourner une vidéo.
Et demain, vraiment, ça va être journée montage et tout et tout. Donc, nickel. Là, je vais mettre une machine et je vais aller rincer la baignoire, la frotter et tout. Voilà, parce que je vous avais dit avant de partir, j'avais mis de la javel et tout. Et comme je viens de filmer ma vidéo Chine, j'ai plein de linge à laver. Donc, je vais lancer une lessive. Voilà, vous savez tout. Et après, j'allais me faire à manger parce que j'ai la dalle. Nouvelle journée. On est jeudi. Il est déjà 12h06, j'ai plein de trucs à faire. Ce matin, j'ai dû aller, je travaille pas aujourd'hui, ce matin j'ai dû aller chez ma mère récupérer des colis. Je vous explique ma journée. J'ai dû récupérer des colis, j'en ai profité pour aller faire vite fait un tour chez Action. Ensuite, il faut que je monte 3 vidéos dont le vlog. À 17h, il y a une journée flash chez mon tatoueur, donc j'ai déjà pris la monnaie et tout ça. J'ai déjà choisi mon flash et tout, donc il faut que j'y aille avant parce que c'est premier arrivé, premier servi entre guillemets. Donc je pense que je vais y aller vers 4h. C'est ça, je vous ai dit, il y a un petit truc aujourd'hui et tout. Donc je vous montre pas pour le moment. J'espère que je vais juste pas trop faire la queue. Et puis je voudrais également emballer les swap calendriers de l'avant pour Nico et Nani. Je suis allée chez Action, j'ai complètement zappé de prendre les cartons. Voilà, attendez, je vous laisse, j'ai plus de batterie, on échange. Ah, voilà, vous avez une batterie toute neuve. Donc ouais, j'ai complètement zappé de prendre les cartons chez Action. Oh là là. Mais ça, je pense que les emballages de swap, je le ferai après le tatoueur. Là, c'est vraiment focus, je vais manger. Hier soir, je me suis fait des pâtes avec une sauce aux olives, miam miam. J'en avais fait plus pour pouvoir en manger ce midi, donc je vais manger là. Et après, ça va être vraiment montage, 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 jusqu'au tatoueur et tout. Priorité, montage de vlog. Voilà, j'ai encore été récupérer des colis et tout, ça n'arrête pas. Et je voulais vous montrer, je vous en avais parlé en vous disant que je vous les montrerai la semaine prochaine. Mais finalement, je vais les montrer maintenant. Ce sont les lunettes de la marque Aolia. J'ai fait quelques petits achats aussi chez Action. Je vais vous montrer vite fait. J'ai acheté 3 trucs. Hein. Rien de folichon. Donc Aolia, en fait, je suis en partenariat avec eux depuis déjà quelques années. J'adore cette marque. C'est une marque tout simplement de lunettier en ligne. Voilà, pour toute la famille. Vous avez des lunettes de vue, mais également des lunettes de soleil. Et maintenant, c'est ce qui se fait de plus en plus, les lunettiers en ligne. Où vous avez des lunettes beaucoup moins chères. En plus, vous avez la possibilité de télécharger votre photo sur le site pour voir si ça vous irait, tout et tout. Désolée, j'ai une tête, j'ai des cernes. Je ne suis pas maquillée aujourd'hui, j'avais pas envie. c'est facile, en fait. Vous choisissez votre paire et ensuite, vous avez juste à envoyer également votre ordonnance et tout ça pour avoir la correction. Enfin, il y a des centaines et des centaines et des centaines, si c'est pas plus, de paires de lunettes. Franchement, j'adore. Je suis trop trop fan. Ils m'en ont déjà envoyé pas mal. Et là, j'en ai reçu 4 nouvelles paires que j'ai pu choisir sur le site. Je vous remets tout dans la barre d'infos. Je pense, enfin c'est sûr qu'il y aura un code promo. Je vous remets tout dans la barre d'infos. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc là, je vais vous présenter 4 paires. Je suis désolée, j'ai l'œil qui pleure depuis ce matin. Je vais vous présenter 4 paires de vues. Moi, je ne les fais pas corriger parce que j'ai pas besoin de correction sur mes paires. Par contre, je prends toujours avec les anti-reflets, vous savez, les anti-reflets bleus là, parce que je suis, voilà, ça me permet, je suis très sensible à la lumière. Alors on dit, les yeux bleus, ce sont les yeux les plus sensibles au soleil et tout, que nenni, c'est pas vrai. Tous les yeux sont sensibles. Moi, je sais que j'ai les yeux très foncés, comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux limite noirs. Et j'ai toujours des problèmes avec la lumière. Et mon opticien me l'avait dit. Enfin, pas mon opticien, mon ophtalmo m'avait dit, ah non, mais c'est une idée reçue. C'est pas que les yeux bleus. Vraiment, vous pouvez avoir les yeux très foncés comme les miens et être hyper sensible à la lumière. Voilà, je sais qu'en commentaire, il y en a qui vont me reprendre. Les gars, vous perdez même pas votre temps. Votre commentaire sera bloqué. Bref. Et donc du coup moi je prends toujours des anti-reflets bleus parce que justement quand il y a les reflets comme ça et puis les écrans surtout, voilà, donc j'ai pris 4 paires, j'ai pris des paires mais trop belles. Oui, j'arrive encore à trouver des paires sur le site, je ne les ai pas toutes essayées. Ce qui est bien, c'est que vous avez
plusieurs modèles. Vous avez des modèles beaucoup plus farfelus et tout, même avec des trucs de Noël et tout ça. Enfin bref, j'ai pris ce petit modèle en rose comme ça. Alors je sais, je suis pas maquillée et tout, donc ça va pas rendre grand chose. Bon, en même temps, vous n'avez pas besoin d'être maquillée pour mettre des lunettes. Hein. Je les adore. Je les adore. Elles sont trop belles. Donc, c'est des montures en plastique et tout. Mais elles sont hyper légères. Et franchement, voilà, moi, toutes les paires, à chaque fois, même quand je les porte au travail, on me dit, mais elles sont trop belles, tes lunettes. Ouais, ouais, je sais. Donc, voilà. J'ai toujours des... Alors que c'est des lunettes, on a l'impression qu'on les couvre, qu'on les paye super cher et tout. Mais trop pas. Alors, cette paire, elle est trop belle. Regardez, là, vous avez un V. Et sinon, il y a des paillettes ici. On voit bien l'anti-reflet bleu, voyez-le. Et j'ai adoré la forme et j'ai adoré le côté transparent paillettes comme ça. Elles sont trop belles. Oh, j'adore. Moi, je les ai essayées quand il y avait ma mère et mon neveu, là, mardi. Mais je les ai pas, je me suis pas vue, en fait. Je les ai mis juste devant eux. Elles sont trop belles. Oh, j'adore. Est-ce que ce ne serait pas mes préférées? J'en sais rien. À ce prix-là, franchement, vous pouvez vous faire des looks. En profiter, justement, pour pouvoir... voilà. Ensuite, j'en ai reçu... À chaque fois, ça arrive super bien protégé et tout. Hein. Là, moi, j'ai tout enlevé pour pas que ça... voilà. Que pour les besoins de la vidéo, on reçoit toujours ça dans des petites pochettes. D'ailleurs, j'ai pas reçu de chiffonnette, je suis en train de me dire... Non, 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 c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris cette paire. Elle est magnifique. Et regardez, le bout de la branche comme ça est vert. Et regardez le petit détail comme ça. Je les adore. Elles sont... Oh, par contre, à pas mettre dans le nez, ça fait... Ah oh, ouais, j'adore. Ah, oh, j'adore. Elles sont trop belles. Je suis désolée, je me regarde. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Et les modèles que je vous présente existent en plusieurs coloris. Hein. Pour info, moi j'ai voulu prendre des trucs que j'avais pas. Tout ce qui est transparent, un peu blanc et tout. Je suis restée vraiment dans le thème parce que celles-ci sont transparentes aussi. Elles sont trop belles. Et celles-ci ont la particularité, vous voyez, d'avoir un petit liseré comme ça. On voit bien l'anti-reflet bleu. Hein. Elles sont trop... Ah ouais. Je sais pas laquelle je préfère. Franchement. Oh là 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 là. J'adore. Donc voilà pour les paires de solaire. De lunettes que m'a envoyé à le site Aolia. Je suis désolée, je bégaye, je ne sais plus parler. Franchement, de très très belles paires encore une fois. Je suis trop contente de pouvoir collaborer à chaque fois avec eux. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Le lien que je vous mets, le code, c'est pas des codes affiliés, etc., etc. Vous l'aurez compris. Et voilà, vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Ensuite, je vais aller manger, faire le montage. Vous avez compris, je vous ai déjà expliqué. J'ai repris le sac de Noël. Enfin, j'ai repris. Je l'avais pas pris celui-ci. Et j'aime trop parce qu'il y a des petits biscuits dessus. Le petit biscuit qui fait du patin. Oh non, mais il est trop beau. Oh, avec des petits... Oh non, mais j'adore. Il y a un casse-noisette. j'ai pris 2-3 trucs. Hein. Déjà, il y avait un promo de la semaine à 89 centimes. Des petits trucs comme ça pour mettre sur le téléphone. Les petits cordons. Moi, j'en ai toujours un, d'ailleurs, qui vient aussi de chez Action. Voilà. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour la madré. Ensuite, j'ai pris ce sérum. Alors, bon, c'était le dernier. Il était ouvert, mais j'ai regardé. Il n'est pas ouvert, là. C'est un sérum de la marque Elisa Jones. Et c'est le micro-capsule sérum hydratant et moisturizing. C'est avec de l'acide hyaluronique. Et en fait, j'aime trop le côté... vous voyez, il y a des petites perles dedans et tout. Et hop, je vais l'ouvrir. Ah bah, si, si, il avait été pchité. Ouais, super. Moi, je vais tout nettoyer. Bref, et donc, du coup... ouais. Super. Quand vous l'ouvrez, du coup, vous avez les petites perles comme ça. Et puis, bah voilà. Ça vient tout simplement, tout ce qui est hydratation, renouvellement de la peau, etc., etc. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Sérum visage et décolleté. Ok. Et une essence, pardon, hydratante formulée avec de l'acide hyaluronique qui aide à reconstituer la peau. Cette formule laisse...
Les relativités. Attends, il y a un problème. Les, bah les, hein, revitalise et raffermit la peau pour une utilisation quotidienne. Voilà, j'aime beaucoup les sérums. Ça coûte pas cher. Attendez, j'ai le ticket là. Le sérum 2,59€. Voilà, vous pouvez pas faire moins cher. Ensuite, j'ai pris une petite suspension comme ça. Je la trouvais trop belle, la petite maison. C'est du plâtre ou je sais pas quoi. Je sais pas, à chaque fois ils le disent pas. En polyrésine. Il y avait plusieurs comme ça, mais celle-ci, elle était trop trop belle. Et puis, pour terminer, vous voyez, ça a été très rapido. J'ai pris ça. Il est trop beau. C'est, vous savez, un petit socle qui bouge comme ça. Et je vais vous donner les prix. Donc, il y avait un Père Noël et puis un petit renne comme ça. J'ai pris le renne, forcément. Quoique le Père Noël était pas mal aussi. Alors, suspension de Noël, 1,49€. Et la figurine oscillante, 3,79€. Voilà. Bon, allez, go pour manger et montage. Et on se retrouve tout à l'heure pour le tatoueur. Oui, parce qu'il sera là. Oh, bah, il fait nuit. On se retrouve bien plus tard. Je vais vous mettre dans la salle de bain. Hop, il est 17h15. Je viens de rentrer de chez le tatoueur. J'ai pas pu vous tourner quoi que ce soit chez le tatoueur. Il y avait un monde, j'ai chaud. Il y a eu trop de monde dans son salon parce qu'en fait, il a rouvert son salon. Je vous avais déjà fait une vidéo, c'est le cercle tatou. Bah, du coup, maintenant, c'est Saint-Lubin. Avant, c'était Nonancourt. Et c'est lui qui m'a fait mes bras et tout. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo et tout ça. Et en fait, il avait fermé il y a un an et demi maintenant. Et il a rouvert un nouveau salon, donc à quelques mètres, mais ça a changé de ville. Mais c'est pas grave. Et du coup, bah, je vous remettrai en barre d'infos. Et pour fêter ça, entre gros guillemets, il avait fait comme... Bah, c'est comme ça que je l'avais découvert la première fois. Attendez, je vous pose. Je vais essayer, parce que vous êtes en... Ouais, bon, vous serez comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça que je l'avais découvert la première fois parce qu'il m'avait fait, je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une journée flash pour Halloween justement. Et j'avais choisi de faire la lune. J'avais fait juste la lune là, celle-là. Et après, je lui avais demandé quelques mois plus tard de passer, d'agrémenter la lune. Donc il m'avait fait ça. Et puis après, il m'avait fait mon bras. Enfin bref, c'est Tristan. Hein. Et donc là, il est revenu. Vous avez vu sur mon panier à linge sale et ma serviette. Voilà. Et donc là, du coup, il y avait trop de monde. Je suis arrivée, il était 16h15. Il y avait déjà une personne devant moi. C'est pour vous dire. Il a dit, mais tout le monde vient en avance. Et genre 2 minutes après moi, il y a eu un groupe de personnes qui sont arrivées. Il était mais plein d'axes. Il y avait au moins là, facile, 2 heures d'attente. Alors qu'il était même pas encore 17h. C'est pour vous dire, à 17h, j'étais chez moi. Donc je suis passée juste après la nénette qui est arrivée juste avant moi. Et voilà. Alors, j'ai choisi, en fait, lui, il avait fait une journée flash. Une journée flash, en fait, c'est lui qui propose ses tatouages à prix Rikiki. Et donc, pour le 31, il avait prévu 31€ pour un flash. Ça valait trop le coup. Donc, il a sorti tout au long là, du mois d'octobre, il a sorti des planches de flash et vous pouviez choisir. Et c'était un par personne et des endroits pas trop compliqués. Et c'est quand, c'est il y a 2-3 jours, il a sorti la dernière planche. Je savais déjà ce que je voulais faire dans ce qu'il avait proposé, mais alors il a sorti la dernière planche et la dernière planche, elle criait mon nom, quoi. C'était dingue. Donc, je me tâtais, je me dis, est-ce que je le fais là? Je vous avais dit, je le ferai là. Et juste avant de partir tout à l'heure, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de le faire là. Donc, petit spoiler, je l'ai pas fait sur les bras. du coup, bah, je vais vous montrer. Là, il y a encore le pansement, donc voilà, mais tadam, bon c'est encore rouge, dans une heure faut que j'enlève le pansement et que je nettoie à l'eau, voilà. Alors bon, j'ai du gras et tout, je vais quand même demander si ça le dérangeait pas, il m'a dit mais pas du tout, donc voilà, j'ai mon petit tatouage et tout, vous le verrez passer dans les vidéos, l'uvelette, cupchi et tout. Attendez, j'enlève l'appareil photo parce que j'ai bien calé, vous le verrez passer dans ces vidéos là. Donc je suis trop contente franchement. Alors attendez, hop, j'avance parce que je suis dans le noir du coup. Niveau douleur, alors c'est clair que ça fait plus mal qu'un bras. Je pense que le tatouage où j'ai eu le moins mal,
je peux pas vous dire parce que franchement j'ai jamais eu mal. C'est celui que j'ai plus senti malgré le gras parce qu'il y a quand même les côtes, mais ça fait pas mal. Puis c'était un tout petit, donc ça a duré 5 minutes, même pas. Et voilà. Mais bon, je vous remettrai toutes les infos du cercle tatou dans la barre d'infos. Il a un compte et tout ça. Enfin bref, sur Insta, je le suis déjà et tout et tout. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai sorti tout mon papier cadeau et tout ça. Tous les petits trucs et tout pour emballer le calendrier de l'Avent. J'ai vu que Nani était aussi en train de le faire. Donc là, je vais me poser tranquille pour faire ça. Et puis, je vais vous laisser. Parce que j'ai fait le montage de mes 3 vidéos, dont le vlog. Mais le vlog, il me reste plus que cette partie à... Parce qu'il est 17h17, je suis déjà à la maison depuis un quart d'heure. Ouais, donc il me reste plus que cette partie à filmer. Demain, je pourrai pas. Parce que demain, je termine à 20h15. Donc c'est pour ça que je vais le clôturer ici, comme la semaine dernière. Donc voilà, ceci explique cela. Sinon je suis dans l'euphorie là. Vous savez, moi j'ai une montée d'endorphine à chaque fois que je fais des tatouages. Ça m'endort, je suis trop bien, je suis excitée. Enfin je suis excitée mais endormie, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Bref, je vais profiter de toute cette poussée d'endorphine pour pouvoir me booster et finir le montage. J'étais dessus toute l'après-midi, franchement. Mais bon, c'est pas grave. Let's go. J'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.